c'est pas vraiment quelque chose de très linéaire, la façon où une pièce se construit. C'est des choses qui viennent un peu d'ici et de là, qui viennent du passé, qui viennent du processus que je fais avec les danseurs. Donc, chorégraphiquement, c'est une chose, musicalement ou sur la bande-son, c'est une autre. C'est des choses qui viennent se placer au fur et à mesure du processus. Donc, il n'y a pas vraiment un point de départ que je peux dire, bon, ça, c'est le point de départ de la pièce et on a construit tout par rapport à ça. Mais c'est vraiment un genre de jeu de suivre un peu ce processus, des choses qui se rajoutent, de couches qui viennent se rajouter, des choses qu'on sort, d'autres choses qui reviennent. C'est pas quelque chose qui est calé dans ma tête, c'est pas quelque chose que une idée avant de démarrer le processus, mais c'est quelque chose que je découvre au fur et à mesure. C'est vraiment un travail un peu archéologique là, de couches, donc il n'y a pas nécessairement un fil conducteur ou un point de départ, mais c'est beaucoup plus large dans la façon dont ça se construit. That's not clear, you said. On continue à travailler tout le temps. Ça veut dire qu'on est dans une démarche qui est complètement créative par rapport à la pièce tout le temps. On n'est jamais en train de dire bon, on a la pièce et on essaie de reproduire ce qu'on a déjà fait. Mais on se met en question à chaque fois. Donc, et les danseurs, mais comme c'est une équipe qui travaille avec moi depuis longtemps, donc ils ont l'habitude de travailler. Je ne suis pas obligé de les lancer dans ce mode de travail, ils sont déjà dans un mode, on travaille comme si c'est une vraie répétition, donc on essaye des choses, on change des choses. Là, les danseurs, ils ont changé pas mal de choses sur cette petite répétition, ils ont essayé de nouvelles choses. Donc c'est quelque chose qui est constamment en évolution. Je ne travaille jamais avec une idée préconçue de ce que je vais faire. Je suis le processus qui est en train de se passer au studio sans avoir vraiment aucune vision finale de où je veux aller, où je veux mener la pièce. Donc il y a un processus de découvrir la pièce au fur et à mesure. Pour moi, dans la danse, c'est la chose qui me fait plaisir. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de créer un objet qui va rester figé et fixé, mais on est sur une matière qui est vivante. C'est des gens, c'est des danseurs. Et donc, on a cette liberté d'appréhender l'œuvre. Pas comme un objet ou comme quelque chose avec un but final ou un état final, mais quelque chose qui est constamment en mouvement, constamment change, un peu comme la vie. Et pour moi, c'est une grande sensation de liberté. Et c'est même pas une question d'améliorer, c'est juste laisser cette chose changer, évoluer, se transformer par rapport aux atmosphères, aux états de chacun qui participe, etc. There are certain things that we rather.